vous savez qui c'est? C'est Reese Witherspoon qui arrive à la prison d'Atlanta après l'arrestation de son mari pour conduite en état d'ivresse présumée et la sienne pour trouble à l'ordre public. Le policier de l'état de Géorgie enlève ses menottes. Et on suppose qu'il est sur le point de découvrir qui elle est. L'actrice et son mari ont été arrêtés dans le parking d'un supermarché. Jim Toth a été arrêté et chargé de conduite en état d'ivresse. Reese aurait demandé au policier s'il savait qui elle est et lui aurait dit qu'on parlera de lui dans les nouvelles nationales. Reese a depuis mentionné l'incident en disant qu'elle avait bu un verre de trop et qu'elle est embarrassée par son comportement. Et vu la manière honteuse dont elle se rend à la prison, il est clair qu'elle ne fait pas semblant. Selon le New York Post, Reese a depuis annulé ses prochaines interviews qu'elle devait donner pour faire la promotion de son nouveau film « Sur les rives du Mississippi ». On est sûr qu'elle aurait préféré y être sur les rives du Mississippi plutôt qu'à la prison d'Atlanta.